Alors aujourd'hui, nous sommes avec Sylvie. Sylvie que l'on connaît déjà puisque c'est elle qui est à l'origine de la partie moto du générique du Vent dans la Plume. Et elle nous parle, elle, de sa terre avec un moyen d'expression qu'elle a elle-même choisi. D'ailleurs, on va la laisser déjà se présenter. Sylvie, tu es mise à la moto à quel âge? Je devais avoir 47, donc ça avait toujours été une passion, mais pas suffisamment d'argent quand j'étais jeune. Ensuite, les enfants, avec toutes les responsabilités que ça implique. Mon mari a repris la moto, lui était motard depuis longue date, ça m'embêtait d'être derrière. J'ai passé mon permis avec difficulté, et depuis, c'est vraiment une passion, donc j'en suis ravie. Alors, la moto, tu pourrais mettre la tête dans la bulle et foncer et chercher la vitesse. Cette moto, elle te permet autre chose. On va visionner en même temps que tu parles des images que tu as prises. Et tu vas nous raconter justement l'usage que tu fais de cette moto, conjointement ou non avec la terre que tu habites. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu habites? Donc, j'habite en Savoie, dans un petit village au bord du lac, donc à Publié. Et donc, je suis là depuis toute petite, en fait. C'est une super région. Donc, c'est vrai que j'adore aller découvrir les régions ailleurs, mais j'adore retrouver mon lac et mes montagnes. Alors, est-ce que quand on est petite, on a conscience de la beauté d'une région? Quand est-ce qu'on réalise qu'on est quand même dans un contexte, dans un environnement privilégié? Petite, non, on profite de la plage, on profite du ski, donc voilà, ça se fait naturellement. Et c'est vrai que c'est la moto qui m'a fait découvrir ce bel espace, en fait, parce que le fait de faire ça en moto, on a l'impression d'avoir un peu les cheveux dans le vent et la liberté. Et du coup, en plus, j'adore le faire de la vidéo, donc du coup j'associe les deux. Alors comment est-ce que tu prends ces images? Tu as imaginé ta technique parce que ça veut dire que tu lâches une main quand tu es dans les virages, tu tournes, c'est assez rock'n'roll. J'ai une GoPro que j'installe donc sur ma bulle devant ma moto avec une pince et donc je roule et quand je vois des beaux paysages, je la prends à la main et je la fais tourner. En fait, je tends mon bras d'un côté, je tends mon bras de l'autre. Au début, c'était plus pour filmer les copains quand on faisait des balades. Et puis maintenant, c'est plus pour faire découvrir en fait ces belles images. J'essaye de rester prudente. C'est vrai que souvent je suis devant pour filmer mes amis derrière, qui sont derrière. Donc je tends la main derrière, etc. Donc moi, voilà, quand arrive le revirage, il faut que je me remette correctement sur la moto. Et tu remets ta caméra? Et je remets ma caméra sur ma bulle, je la recoins sur ma bulle pour passer le virage. D'accord. En fait, il y aurait d'autres techniques, mais c'est plus onéreux. Il y aurait d'autres techniques, mais comme j'ai pas une tête qui tourne à 380... En revanche, il y a des caméras qui tournent à 380. Tu n'as pas la tête de la harpie qui tourne sur elle-même, mais il y a des caméras. Hein, mais en fait, tu as trouvé ta technique et elle est vraiment validée. Ça rend des films très stabilisés. Alors oui, parce que la GoPro est quand même une technologie... Donc ça évite de voir les soubresauts, etc. Et moi, c'est la technique que j'aime faire. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu aussi foldingo acrobatique. Et donc voilà, les deux me plaisent. Donc j'ai préféré cette technique-là. Alors donc, tu as découvert la beauté de ta région en roulant à moto. Tu fais partager aux autres. De quelle manière et quels sont les retours? Eh bien, je fais des petits films. Donc, j'ai commencé timidement quand je suis partie en Corse. Donc, à raison de petits films de 1 ou 2 minutes chaque jour. Et du coup, je me suis aperçue que finalement, je les poste sur Facebook et en petit comité, donc avec mes amis bienveillants. Et j'ai remarqué que ça plaisait bien, que les gens appréciaient ce genre de choses. Donc du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire chez nous, même si les gens connaissent.
Ils n'ont peut-être pas vu tel et tel endroit.